Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche ouvrira ta louange. Venez-vous au Seigneur, adorons notre maître. Venez crier de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il fit dormir les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. Et les terres, car ses mêlées ont pétri. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur en mon désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Quand toi, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez tous au Seigneur, adorons notre Maître. Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit. Tournez vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché. L'Esprit seul nous découvre ton passage. Pour nous mener au jour, tu as pris corps. Dans l'ombre humaine où tu descends, beaucoup voudraient voir et saisir. Sauront-ils reconnaître ta lumière? Nous leur disons, voyez le pain qui meurt. Aucun regard ne l'aperçoit, mais notre cœur peut deviner. Dans le camp du partage, sa présence. Puis nous portons vers toi comme un appel l'espoir des hommes d'aujourd'hui. Mûrir le temps hâte le jour et que lève sur terre ton royaume. Tous les pays chantent ta gloire, simplicité de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, vive Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez, Tyre, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient au milieu. Les peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les pays chantent ta gloire, sainteté de Dieu. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il est avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur. Il mène au repos les brebis. Il a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux. Évanouit en boisseau la poussière de la terre, pesé les collines à la balance et les collines sur un crochet. Il a jaugé l'esprit du Seigneur. Quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre le chemin du jugement, pour acquérir le savoir
et s'instruire les voies de la sagesse. Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les cieux comme une poussière qu'ils soulèvent. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffiraient le l'Holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme miens, vide et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Voici notre Dieu, voici le Seigneur. Exaltez le Seigneur notre Dieu, conternez-vous devant lui car il est saint. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent, il trône au-dessus des kérubim, la terre tremble. En Sion, le Seigneur est grand, c'est lui qui domine tous les peuples. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est grand, le roi qui aime la justice, c'est toi le cœur du droit. Toi qui assurons Jacob, la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous aux pieds de son trône, car il est saint. Moïse le prêtre, Aaron, Samuel le supplion, tous y suppliaient le Seigneur, et lui le répondait. Dans la colère de nuit, il parlait avec eux. Ils ont gardé tes volontés et les lois qu'il vous donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leur faute. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. La parole de Dieu. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu. Sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, Dieu recevra sa gloire par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Comment découvrir ta lumière? Je te cherche dès l'aube, pour saisir un reflet de ta gloire. Je te cherche dès l'aube, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait ses jours la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. C'est lui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères. Mémoire de son alliance sainte. Fermons, j'irai notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant,
marchera devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visitons l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltez le Seigneur notre Dieu, il aime la justice. Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes. Écoute-nous, Dieu très bon. Béni sois-tu, Seigneur, qui a mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. Écoute-nous, Dieu très bon. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir, que nos travaux et nos voix te glorifient. Écoute-nous, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, essuie nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères et sœurs, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Confions, Seigneur, tous les voyageurs et toi-même guider leur pas. Et te confions cette journée, la plus grande gloire. Te confions l'ouverture des journées du Cézanne, de la famille. Te confions aussi l'assemblée des femmes catholiques à la maison d'Hiverman. S'ouvriront aujourd'hui. Puissent ces deux rassemblements et bien d'autres donner à tous ceux et toutes celles qui sont à la suite de Christ de fonder véritablement leur vie en Christ. Nous confions aussi toutes les institutions qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Écoute-nous, Dieu très bon, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Donc prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes et les femmes qui n'ont pas reçu ta lumière. Fais lever ton soleil, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Dieu vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Le Seigneur répand ta grâce à nos âmes, afin de bien par la voix de l'ange, l'incarnation du Christ, ton Fils. Nous avons conduit par sa passion et par sa foi jusqu'à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans éclat. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles trépassées reposent en paix. Amen.
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la paix, que la grâce et la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, 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 prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, ô Christ, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Seigneur, 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 accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Jacques. Vous autres, maintenant les riches pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous entendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Il le royaume de Dieu.
du destin des insensés et l'avenir de qui aime les enfants. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. Passeront leurs visages pour eux, plus de palais, mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'en porte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres. Ils ne verront jamais plus la lumière. Il disait, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied et pour toi, une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borné dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous.
acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin, avec Saint Jacques, que nous écoutons sous un ton, dirais-je, des prophètes de l'Ancien Testament, il nous met en garde sur notre attitude à souvent retenir aussi bien le salaire de ceux qui ont travaillé avec nous ou qui travaillent avec nous. Et il met en garde tous ceux et toutes celles qui ont une richesse. Et la vie que nous avons est une richesse. Est-ce que nous la mettons au profit, au service de nos frères et de nos sœurs, ou nous donnons de, comme on dit, en maître, et non pas d'être des serviteurs. Aussi, le Christ Jésus, dans la page d'évangile de Marc, nous venons d'entendre, nous invite à ne pas être un objet de scandale, personne de scandale dans la communauté. Ne pas scandaliser les plus faibles. Nous demandons cette grâce au Seigneur, que nous puissions toujours donner du goût à nos frères et à nos sœurs. Que nous puissions demeurer le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et on le piétine. Mais nous devons garder la saveur pour donner du goût à nos frères et sœurs, pour encourager nos frères et sœurs dans leur engagement au quotidien. Prions ce matin pour tous ceux et toutes celles qui ont une responsabilité. Et puisque c'est le jeudi, qui est une journée par excellence de l'adoration, qui est une journée par excellence où nous prions avec le pape Jean-Paul II, hein, le mystère lumineux, et nous prions pour l'Eucharistie, et l'Eucharistie nous donne de penser aux prêtres. C'est une occasion de porter tous ces hommes consacrés au Seigneur, qui ont la mission de réconcilier leurs frères et leurs sœurs, mais qu'ils soient aussi des acteurs de la réconciliation pour eux-mêmes, avec Dieu, en priant pour les prêtres. Et demandons l'intercession, je dirais, de Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron des prêtres, pour que, véritablement, nous prêtres, nous puissions demeurer du sel et donner le goût à nos frères et sœurs, mais aussi le sel sert pour nous aller donc à la conservation des aliments et que nous puissions véritablement travailler à la conservation de nos frères et de nos sœurs, toutes les vertus que nous pouvons proposer à nos frères et à nos sœurs autour de nous, en nous laissant guider par l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tout se met le vent, pour que l'alliance puissions nous être unis à la divinité de Dieu qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils et bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du mieux des hommes en peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de ta passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, je te prie, sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos confrères prêtres qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les consacrés, toutes les consacrées qui ont rejoint ta maison.
et Seigneur, les recevoir de ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aux intentions de tous ceux et toutes celles qui participent de manière physique ou virtuelle à ce Eucharistie. Ceux et toutes celles qui ont demandé à prier pour eux. Tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce pour le don de la vie en ce jour. Toutes les institutions qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. Ces journées du Cézanne de la famille qui vont s'ouvrir cet après-midi au séminaire Saint-Jean. L'association des femmes catholiques en assemblée générale de la maison Liberman à partir de cet après-midi. Permets comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayant part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, où ta volonté s'accomplisse, donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je pense à toi le jour, la nuit, ô Seigneur, et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, l'eau de mon cœur, tu es mon héritage. Mon roi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, moi, mon seul partage. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions du Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Éclairer ma route, toi l'étoile du matin, et si ta main de l'autre entre moi le vrai chemin, et si ta main de l'autre dans le haut d'un grand de paix.